Bonjour à vous. Avant de plonger dans cette belle expérience, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud et bien d'autres. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. Pour commencer, installez-vous dans un fauteuil ou allongez-vous paisiblement. Alignez votre corps de façon à être le plus confortablement possible. Fermez vos yeux. Et concentrez-vous sur le flux de votre respiration. Observez consciemment chaque partie de votre respiration. Inspirez lentement et profondément. Expirez tout en douceur. Inspirez par les deux narines. Puis expirez en douceur progressivement. Lorsque tu ne sais plus aimer ou t'intéresser aux autres, tu commences à vieillir. De fait, quand tu es capable d'aimer pour de vrai, tu ne vieillis pas. L'absence d'un réel amour rend les jeunes bien vieux. Et la ferveur d'un amour toujours vivant donne la joie de vivre aux gens du mi-temps de la vie. C'est dans ta tête que les idées naissent. Mais c'est dans ton cœur qu'elles grandissent et se développent. La mémoire de ton cœur est essentiellement primordiale pour grandir et vivre au cœur de ta vie. Fais confiance aux petits détails de la vie, car c'est à travers eux
que bien souvent, la vie reçoit toute sa lumière et sa force. Oui, pratique ton sourire, le vrai, celui qui vient de ton cœur. Il illumine la nuit des gens, il réchauffe les cœurs froids, il transforme les attitudes, il fait naître l'espérance et le goût de vivre. On ne peut résister au vrai sourire de ton cœur. Tu apprends beaucoup quand tu sais écouter, regarder et toucher les personnes. Même celles qui te semblent plus démunies. C'est du temps gagné pour semer la tendresse et l'amour. Les grandes blessures d'angoisse, de rejet et de dépréciation personnelle ne se cicatrisent qu'avec le temps et beaucoup d'amour. Le temps et l'amour font renaître la confiance. La nature t'apprend beaucoup aussi quand tu sais la regarder, l'écouter et la toucher. Voilà un savoir aimé. C'est beau, c'est sain, c'est pur, ça aide à vivre de marcher tout doucement dans la nature et d'admirer les fleurs des champs, les oiseaux, les nuages, le ciel et tout bonnement la vie. Eh bien, toutes ces pensées, crois-moi, elles renferment des trésors importants et des valeurs essentielles pour ta vie de chaque jour. Il y a du bonheur dans ton cœur et dans ta vie. Regarde bien autour de toi. Le bonheur te donne rendez-vous. Choisis d'aimer avec le sourire de ton cœur. La méditation touche à sa fin. Profite de ces derniers moments et reprends tout doucement le cours de ta journée. À bientôt.